Bienvenue sur ma chaîne Lorlai Golden Eye. Allez, on va discuter un petit peu ce matin. C'est une petite vidéo à part. Euh, hier soir, je vais pouvoir aller me coucher et je tombe sur un euh, commentaire. Alors, sachez que je les lis tous. Hein, euh, sur un commentaire de Romain. Romain qui me euh, fait un commentaire sur les Sagittaires du mois de juin pour me dire que euh, je parle trop pour rien dire. Voilà, bon. Alors, dans l'absolu, c'est dit plutôt correctement. Euh, mais j'avais envie de faire une vidéo parce que en fait, j'en ai marre de ces gens qui se permettent de juger, de parler, de laisser des commentaires de merde alors que, clairement, Romain, t'as un abonné et t'as pas de vidéo, ok Donc, mon petit Romain, je sais pas quel âge tu as, euh, mais en fait, aller sur un, une page de quelqu'un... Qui euh, se donnent du mal à faire des vidéos, euh, que ce soit aussi bien à euh, les tourner d'un de point, de, point de vue purement euh, cinématographique, hein, on va dire, voilà. Hein, donc voilà, de tourner ça, de faire en sorte de faire un truc un peu agréable. Euh, les énergies que ça prend de faire un tirage, les supports qu'on achète ou qu'on crée, c'est du travail, c'est de l'énergie. Et clairement, je ne te permettrai pas d'ouvrir ta grande bouche sur mon compte. Je l'ai mis et c'est pas pour rien dans le générique de départ où j'explique bien que les commentaires désagréables seront euh, systématiquement effacés et bloqués. Donc, Romain, c'est la seconde fois que tu te permets de faire un commentaire désagréable sur ma chaîne. Sache que c'est le dernier, le prochain, je te signale et je te bloque. Ou alors, j'ai une autre option, je pense que je vais garder tes jolis commentaires ainsi qu'à euh, ceux qui estiment comme toi que vous avez une légitimité X ou Y à vous permettre de, pou de pourrir les commentaires euh, de gens qui sont bienveillants, eux, tu vois. Euh, et je vous afficherai aussi. Voilà. Comme ça, il euh, y a un moment, c'est bien facile de dire les choses derrière son écran bien planqué. Euh, mais euh, tu as des responsabilités, mon petit Romain. Euh, ça marche aussi pour toutes les autres. Hein. Je crois que j'avais eu Virginie qui était un peu chabrac, euh, Sabrina. Enfin, j'en ai eu deux, trois là qui m'ont fait des messages de merde. Parce que c'est clairement des messages de merde. Je dis n'importe quoi. Euh, 20 minutes de souffrance. Enfin, bon, bref. Donc, tout, toutes ces petites personnes là, où vous, vous pensez malin, maline, en tout cas, sachez que la seule chose que euh, vous exprimez... En disant ce genre de choses, déjà, moi, clairement, j'en ai strictement rien à foutre. Non, mais sachez-le, hein, je m'en branle. Je suis sorti... Juste comme ça, pour recontextualiser, je sors de 11 ans avec un pervers narcissique. Donc, clairement, et euh, autant te dire qu'il me casse encore les couilles, donc, clairement, je suis rodée. D'accord Tu ne me feras rien de pire que lui. Euh, voilà. En tout cas, avec tes petits mots de mignon, là, franchement, tu ne tu, voilà, tu m'atteindras pas du tout. Euh, en revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous perdez votre temps à écrire, en fait ça ne te plaît pas et tu en as parfaitement le droit. Je respecte que tu ne sois pas du tout en accord ou en osmose avec ce que je peux expliquer, raconter. Voilà, on n'est pas sur les mêmes énergies, on n'est pas connecté toi et moi. Et pourquoi pas Tu n'y a pas de souci. Je n'ai pas de problème avec ça. Hein. En revanche, pourquoi tu perds ton temps à me mettre un commentaire de merde Moi, ce que ça me renvoie comme 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 explication mon petit Romain alors désolé là c'est toi mais je te dis il y a eu Virginie il y a eu Sabrina j'en ai eu deux trois qui étaient un peu un peu pêchés un peu perchés là euh, en tout cas qui se sont permises voilà euh, moi ce que ça me renvoie c'est que t'es complètement frustré voilà, que t'es euh, pas très très bien dans ta petite vie et que le seul moyen que t'as trouvé c'est de déverser euh, ta colère, ta rage ou ta haine ou juste euh, ta mauvaise humeur sur quelqu'un. Bah c'est raté parce que moi j'en ai rien à foutre en fait, vraiment je peux t'envoyer t'aller te faire cuire le cul mais sérieusement. Alors encore une fois tu vois je vais pas changer, euh, je dis des gros mots, ça ça change pas, n'en euh, déplaise à ceux que, euh, qui n'apprécient pas et je peux l'entendre là aussi. Vous pouvez aller voir des vidéos de chatons comme le suggère Vanessa spirituel que j'aime beaucoup et qui a tout à fait raison qui a un franc parler elle aussi euh, Je rentrerai pas pour le moment dans le truc de tout privatiser de ne pas publier des choses qui voilà la seule chose que j'ai pas publié à l'heure actuelle c'est une guidance que j'ai eue euh, qui concernait euh, les abus sur des enfants et je trouvais que c'était un peu trop violent pour être publié sur YouTube et c'est dans un esprit de protection des gens qui auraient pu se prendre ça à la tronche que je ne l'ai pas publié mais quand ça apparaît dans mes guidances euh, assez générales j'en parle euh, voilà donc je suis libre de m'exprimer je suis aussi libre de refuser que tu me pourrisses mes, mes commentaires, en fait, clairement. Euh, donc voilà, donc, euh, je te préviens, ça, ça, ça n'est pas la peine. Et vraiment, si la démarche était d'essayer de créer un quelconque mal-être ou une remise en question, non, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, encore une fois, je, je, je t'indique, mon petit Romain, mais vu que tu n'as pas de vidéo sur ton compte, bon, bah évidemment, tu ne dois pas te rendre compte du travail que ça peut représenter. Euh, et puis bon, a priori, tes, tes capacités, tu n'en as pas, parce que sinon tu seras à peu près bienveillant, mais ce n'est pas le cas. Euh, C'est beaucoup de travail. Au-delà de vous fournir une vidéo de 20 ou 40 minutes. <coughs> Déjà il faut cadrer, bon vous voyez que ça c'est pas forcément mon fort. Euh, ça demande une concentration, euh, l'air de rien. Euh, moi j'essaye de faire mes guidances, euh, on va dire, à la chaîne entre guillemets, c'est-à-dire je m'organise me, je me, je des, des moments où je fais que mes tirages, donc... Des fois je peux en faire euh, de 3, 4, 6 d'affilée, des fois les douze d'un coup. Je finis, je suis épuisée, éclatée. Alors il n'y a personne qui me force, hein. je ne suis pas là pour me plaindre, je le fais parce que j'ai envie de le faire, je le fais parce que ça me fait plaisir. Je le fais parce que je pense que c'est aussi ma mission de vie. Je suis là pour vous développer, des... délivrer des messages, pour vous aider, vous guider. Donc moi quelqu'un qui me chie littéralement dessus. Euh... Pff, voilà quoi. Pour toi, Romain, qui m'a mis euh, a priori deux commentaires merdiques sur les plus de 300 que j'ai reçus. Bon, autant te dire que tu es une goutte d'eau euh, dans l'océan, quoi. J'habite dans l'océan Indien. Donc, euh, je m'en fous. Mais clairement, je m'en fous. En revanche, je ne suis pas euh, de celles qui cautionneront et qui laisseront faire. Euh, parce qu'il est hors de question, en fait. Tu vois, tu vois un chien méchant, on le muselle. Voilà, pour pas qu'il morde. Alors, euh, voilà, normalement, un chien, euh, si on, on l'éduque correctement, il mord pas. Hein. Moi, j'ai mon chien, elle a 16 ans, elle n'a jamais mordu personne. C'est un amour de chien. Voilà, j'ai pas besoin de la museler. Euh, mais toi, apparemment, il faudrait peut-être. Voilà, donc ah ouais non mais moi tu vois si je s'il faut être désagréable, je peux l'être, j'ai aucun problème là-dessus, j'ai un vocabulaire assez large, même si je dis beaucoup de gros mots, euh, et euh, suffisamment de répartis euh, pour, euh, encore une fois, te dire le fond de ma pensée. Donc voilà mon cher Romain, j'espère que ça te passera l'envie, j'espère que ça servira à tous ceux qui auront la bonne idée de vouloir mettre un commentaire désagréable. Encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez avoir envie d'échanger euh, des idées euh, contraires aux miennes, et j'ai pas de problème là-dessus. Alors sauf si c'est politique, parce que clairement, euh, ça aussi j'en ai rien à taper, euh, j'ai mes idées bien arrêtées, euh, comme tout ce qui est scandale euh, sociétal, euh, voilà, pandémie, tout le bordel. J'ai mes idées bien arrêtées là-dessus, et j'ai pas spécialement envie d'en débattre parce que... En général, ça, ça, ça porte au clash et il n'y a aucun intérêt. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit. En revanche, je ne suis pas quelqu'un qui me laisserait faire. Donc voilà. Donc voilà, mon cher Romain. <laughs> voilà, voilà. Alors j'en profite aussi pour euh, vous dire que je ne fais pas de rituel de retour. Je ne fais pas de rituel de déblocage de la CAF. Je ne fais pas de rituel en tout genre. Les rituels que je vous donne euh, parfois lors des consultations privées et euh, quelquefois dans les consultations générales, sont des rituels qui sont totalement inoffensifs pour tout le monde. Euh, on ne, on ne s'en prend pas à qui que ce soit. On ne mentionne euh, personne dans une mauvaise intention. Tout est fait pour soi-même. Quand je vous dis euh, utiliser un caillou, par exemple, pour vous libérer euh, de, euh, de mauvaises choses, euh, de, de mauvais sentiments, de mauvaises euh, émotions ou choses comme ça. Euh, évidemment, je vous dis pas de balancer le caillou dans la gueule de quelqu'un, hein Voilà. Euh, donc euh, voilà, il y, y a des rituels que, que je peux vous proposer, euh, mais que je ne fais pas payer parce que ce n'est pas moi qui les fais, c'est vous. C'est des conseils, c'est des choses qui allient euh, le physique au psychologique. Voilà, je trouve que euh, parfois c'est des bonnes manières, comme quand je vous dis, bah voilà. Euh, quand on a un caillou dans sa chaussure, on s'arrête, on enlève la chaussure, on enlève le caillou, on met la chaussure et on repart. Bah voilà, bah c'est un, un petit peu, le même, le même principe. Et je suis pas en train de vous dire on va supprimer qui que ce soit, euh, faire des rituels chelous ou voilà. Moi, je suis pas du tout là-dedans, sachez-le. Donc. Malheureusement, Madame, qui m'avait parlé de la CAF et de votre fille et tout, je suis bien désolée pour vous. Mais déjà d'une, j'ai pas compris votre question. J'ai pas compris ce que vous attendiez de moi. J'espère que je vous ai répondu correctement parce que franchement, j'ai pas compris. Euh, et, euh, et, et, et je ne fais pas ça en fait. Je, je peux pas faire un sort pour que la CAF euh, prenne en charge. Je, je, je ne sais plus trop quoi. Enfin bon, bref. Euh, autant vous dire que si j'avais ces capacités-là, je pense que je serais sollicitée de ouf. Hein. Même moi, j'ai des problèmes avec la CAF. Euh, voilà. Donc euh, non, euh, pour le coup. Euh, pour le coup, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bon, on va finir sur une note positive parce que Romain, je refuse que tu me de ma journée. Comme vous voyez, j'ai mon café, donc je viens de me lever. Hein. Euh, donc Romain, abstiens-toi, ainsi que tous euh, ceux qui pourraient être comme Romain et qui auraient un mal-être euh, cuisant et qui euh, pensent que euh, on peut balancer de la merde à la gueule de quelqu'un et que c'est normal. Bah non, en fait. Euh, donc je vous invite vraiment très cordialement à ne rien écrire sur ma chaîne pour vous dire de la merde, ce n'est pas la peine. Si vous avez un souci, si vous avez besoin de discuter, alors il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'aller voir quelqu'un de spécialisé, par exemple. Hein, un psy, euh, euh, un médecin, un généraliste, hein, un médecin traitant qui vous connaît peut-être, un ami, une amie, euh, un cousin, un membre de la famille, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous pouvez peut-être lui parler, déjà d'une. Hein. Euh, on libère le, ch le chakra de la gorge, on s'exprime. On explique. On peut aussi faire ce qu'on appelle une introspection. Hein, Romain, je, je pense que tu ne sais pas ce que c'est. Je vais t'expliquer. Une introspection, c'est le fait d'aller creuser en toi, à savoir pourquoi certains de tes comportements euh, se développent ou euh, s'enracinent. Et le pourquoi du comment, en gros, hein, tu vois, on parle du papillon qui bat de l'aile à New York et qui fait un tsunami au Japon. Et eh ben, en fait, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de dire pourquoi je suis un tsunami vis-à-vis -vis de quelqu'un que je ne connais pas, qui m'offre un contenu gratuit, et même si ça ne me parle pas, bah, j'en ai strictement rien à foutre. Bah, pourquoi toi, tu mets un coup d'aile pour essayer de faire quelque chose Je ne comprends pas, encore une fois. Je... Ouais. Moi, tu vois, quand euh, je, je, je suis une grosse consommatrice de. de, de... De vidéos YouTube euh, en tout genre, hein, je regarde plein de choses, euh, voilà, hein, j'ai déjà parlé, j'aime bien le true crime, euh, euh, voilà, euh, je, je fais de la couture, hein, je suis couturière donc je regarde des, des choses de couture, euh, je, je, je m'intéresse à énormément de choses, hein, euh, la cartomancie évidemment, mais, mais encore plein d'autres trucs différents. Euh, bah, quand j'aime pas, bah, je dis rien, voilà. Plutôt que de dire à quelqu'un bah c'est moche ou c'est nul, bah en fait non je passe mon chemin. Qu Qu'est-ce qu que tu crois que ça va faire Tu crois que cette personne va s'améliorer? Au, au mieux, hein, au mieux du mieux, tu vas juste blesser cette personne. Donc encore une fois, si ton idée c'était de faire ça vis-à-vis -vis de moi, c'est raté. Donc vraiment, ne gaspille pas ton énergie et ne gaspille pas la mienne non plus à perdre mon temps, à lire ton message. Euh, clairement, j'ai dû voir ça hier, il était 23h, enfin pff, franchement j'ai autre chose à foutre que de voir des conneries pareilles. Donc, donc voilà, donc mon petit romain, si tu as un souci x ou y euh, va voir un professionnel, ça peut t'aider et je ne dis pas ça en me moquant de toi. Je te dis ça réellement que si tu as vraiment des soucis de gestion de ta colère ou de ta frustration, il pourrait être intéressant d'aller voir un professionnel de santé pour cela. Sinon tu peux effectivement te tourner vers la bienveillance et potentiellement la spiritualité dans laquelle tu trouveras peut-être euh, aussi des réponses et plus largement si jamais ça te parle plus tu peux aussi peut-être te tourner euh, au sein d'une religion qui t'accueillera certainement à bras ouverts puisqu'en général ils sont un petit peu à la dèche, euh, et qui pourra peut-être aussi te conseiller choisis bien en tout cas euh, celui qui te donnera euh, la, la enfin, qui te prêchera la bonne parole parce que bon on sait aussi qu'on a des tarés là-dedans. Voilà. Pour finir sur une note positive, j'espère en tout cas ceux qui euh, me font euh, l'énorme amitié et, euh, et, et qui ont cette incroyable gentillesse de me faire des messages hyper gentils et tout, sachez que vraiment, j'espère que vous vous êtes marrés en tout cas sur cette vidéo, c'est un peu l'idée, hein, tourner un peu en ridicule ces gens désagréables, en tout cas... Euh, vous, je vous remercie. Je vous remercie pour votre soutien. J'essaie de le dire à chaque fois dans mes vidéos et je sais que ça peut être un peu long et un peu chiant parce que, bah, en général, on a envie d'aller voir vite vite la vidéo. Hein. Je suis comme vous. Hein. Moi, quand je regarde un truc, quand l'autre il parle pendant deux heures, ça me gonfle un peu. Mais en tout cas, sachez-le, j'en profite pour vous remercier vraiment chaleureusement euh, pour, pour tous vos likes, euh, vraiment, tous vos likes, pour tous vos commentaires. C'est vraiment un moment de partage euh, pour beaucoup d'entre vous. Je sais que certains, vous vous livrez sur des moments vraiment intimes et pas toujours faciles de votre vie. Sachez que je suis toujours extrêmement touchée euh, de vos retours. Je, je prends toujours le temps de vous répondre. Euh, en tout cas, quand vous livrez euh, votre vie, hein, je, je prends le temps de vous répondre. J Toujours de trouver les mots justes pour vous soutenir au maximum, pour, pour, pour vous envoyer, comme on dit, de la lumière, du courage, de bonnes ondes, vraiment du, du positif. Parce que je sais que souvent, quand on est amené à la spiritualité, c'est souvent qu'on a eu des vies complexes, euh, souffrantes, avec des épreuves de vie qui ont été difficiles. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc bah, des fois, ça fait du bien de partager, ça fait du bien d'en parler, de se libérer, de rencontrer des gens qui peuvent avoir eu euh, les mêmes problématiques que vous. Euh, donc voilà, hein, moi je, je, vous, je vous communique de temps en temps des moments de ma vie aussi pour vous montrer que voilà, hein, je ne suis, suis pas une savante. Euh... <coughs> J'ai aussi eu mes expériences. Donc, euh, donc j'espère en tout cas que ça vous aide. En tout cas, sachez que je prends beaucoup de plaisir à faire ceci. J'ai découvert finalement mon, ma, mes capacités il y a très longtemps. Mais euh, je n'avais pas du tout confiance en moi. Et puis après quelques échecs, finalement, euh, j'ai décidé d'arrêter. Parce que, bah, encore une fois, euh, je, je suis quelqu'un d'assez impatient et, et d'empressé. Donc, euh, bah, si ça ne marchait pas tout de suite, c'est que ça marcherait jamais. Euh, la vie a fait que l'univers m'a remis en main euh, un jeu de cartes et puis m'a dit Si, si, mais maintenant tu vas y aller. Et, euh, et comme vous le savez, euh, je fais partie de ces gens qui ont un parcours flamme jumelle. Euh, et donc, euh, bah, euh, grâce à ma flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté. Euh, je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais des capacités bien plus importantes que ce que je pensais. Et j'ai repris confiance en moi là-dessus. Euh, évidemment, euh, j'ai commencé avec mes amis et tout ça à tirer les cartes et je me suis rendu compte que, bah, finalement, je tapais pas à côté. Et puis bah après je l'ai fait pour des gens que je connaissais pas du tout et, et puis ça, ça ça a évolué euh, comme ça euh, petit à petit mais encore une fois comme je le rappelle le temps est fluide déjà euh, ce que je vois aujourd'hui peut s'être déjà passé pour vous ou pas du tout euh, peut avoir lieu dans quelques semaines dans quelques jours dans quelques mois et pour certains autres selon les rythmes différents et ça c'est pas c'est personne qui le choisit hein, c'est comme ça ça peut se passer dans plusieurs années euh, voilà sachez que moi j'ai des visions assez courte en général, je vois sur les euh, six mois qui arrivent, ça peut être dans les 15 jours, ça peut être dans la semaine, euh, c'est très souvent dans les guidances privées qu'on me dit, euh, tu m'as dit ça, le lendemain la personne, elle m'a appelé, <laughs> voilà, bah, ça arrive, <laughs> ou, dans la, ou dans la semaine, ou voilà, ça arrive très souvent, encore une fois. Euh, moi je vous communique les énergies que je perçois, euh, je, je vous communique ce qu'on veut bien me dire, il y a des fois on ne veut pas me dire plus, ou voilà, donc je vous communique ce qu'on me dit, ce qu'on veut me transmettre, et ce que vous devez savoir par mon biais, euh, et ça peut coller ou pas. Voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est tout simplement pas destiné, soit parce que vous êtes déjà passé par là, soit parce que ça arrivera plus tard, soit parce que bon, ce n'est pas votre truc, et je vous rappelle encore une fois que vous avez votre libre arbitre. Je résume mon libre arbitre, vous savez que j'aime bien faire des images. Alors, je vais faire un peu de pub pour mon île. Vous savez que je viens à la réunion. La réunion, si on schématise, allez, on va dire que c'est un cercle, quoi. Elle n'est pas tout à fait droite, mais bon, on va dire que c'est un cercle. Au milieu de l'île, vous avez les trois cirques, qui sont le cirque de Salazie, de Mafat et de Silaos, et vous avez le volcan qui est là, qui est collé, qui est collé à Salazie et à. Et assis là-haut, c'est qui redescend sur, euh, sur le bord de mer. Euh, pour, pour la, à La Réunion, on n'a pas 30 millions de routes. Hein, voilà, on a une route qui fait le tour, euh, qu'on appelle euh, en partie la route des tamarins euh, du sud au nord. Et puis après, c est, c est, je ne sais même plus comment on l'appelle d'ailleurs. Enfin bref. Euh, bah, c'est la route des plages. Bon, je ne sais plus. Bref, voilà. Amis réunionnais, m'en voulez pas, parce que je ne me rappelle pas, et très, très honnêtement, je vais rarement dans l'Est, donc je me souviens pas. <laughs> Bref, donc on va dire, on a, on a une route qui fait le tour, d'accord, et moi j'habite dans le Sud, hein, comme je, je l'ai dit déjà, j'habite dans le Sud. Donc par exemple, vous, devez, vous êtes dans le Sud, comme moi, et vous devez aller à Saint-Denis, donc carrément à l'opposé. Euh, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous passez par la route d'État marin, qui est la 4 voies, l'équivalent d'une autoroute. Voilà, une voie rapide, limitée à 110 km/h parce qu'on n'a pas de route à 130 à la Réunion. Euh, vous prenez votre voiture, voilà, brrr, vous montez en une heure, une heure et demie, vous êtes vous êtes arrivé à Saint-Denis. Bon, c'est le, le, le moment le plus facile, le plus rapide en tout cas, et, et le plus simple. Bon, ça c'est c'est une option. La deuxième option, on peut vous dire, et ben, tu vas passer par euh, par le centre de l'île. Alors, il faut savoir que le centre de l'île, c'est, euh, en tout cas de chez moi, c'est monté par le tampon, qui est une, une, une ville qui est très très étendue et qui monte dans les hauteurs pour arriver euh, tout en haut et on redescend après dans la plaine des palmistes. On a une vue incroyable quand c'est dégagé, euh, où vous avez une amplitude de température qui est incroyable. Vous avez 30 degrés à Saint-Pierre, vous montez au tampon euh, tout en haut, il fait 17 degrés avec du brouillard, c'est magnifique. Euh, mais vous avez une vue, on dirait Jurassic Park, c'est juste incroyable. Et vous redescendez plein des palmiers, vous continuez et vous arrivez Saint-Benoît et vous montez sur Saint-Denis. Bon, là, grosso modo, vous en avez pour une bonne heure et demie. C'est pas mal, il y a beaucoup de virages et tout ça, mais bon, on peut prendre le temps, il fait frais, on change de paysage, c'est sympa. Et vous pourriez le faire à pied. Vous pourriez le faire à pied ce chemin. Vous dire bah tiens je vais euh, m'amuser, je vais passer, euh, bah, je vais prendre euh, à pied, je vais aller dans le cercle de Silavos, je vais passer par ma fate, et puis je vais arriver, euh, je vais arriver par exemple à, à Saint Denis. Et puis vous avez l'autre option, bah c'est vous prenez un, un, un hélicoptère euh, à Saint Pierre et puis vous faites déposer à Saint Denis. Ou vous pouvez prendre un bateau et faire le tour. Ou vous pouvez y aller à la nage. Attention aux requins surtout en ce moment c'est la période. Bon bref. Tout ça pour dire que vous pouvez aussi choisir euh, d'y aller, aller en moonwalk, en talons-aiguilles de 15 cm. Et euh, voilà, encore une fois, le chemin est important puisqu'il va définir vos expériences. Mais quoi qu'il arrive, vous arriverez là où on veut que vous alliez. Euh, c'est la notion que j'ai qui est très différente de plein de gens, c'est qu'à mon sens, euh, l'univers a déjà tracé totalement le, 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 votre vie. Simplement vous avez des choix après qui font que bah, ce sera plus ou moins difficile. Quand vous suivez la voie, c'est un peu moins dur. Quand vous ne la suivez pas, bah, il, vous, prenez, vous prenez des claques et vous revenez sur le chemin. C'est un peu, un peu l'idée. Donc, encore une fois. Vous partez de Saint-Pierre, vous devez arriver à Saint-Denis. Encore une fois, libre à vous de choisir la méthode pour, avec laquelle vous allez y aller. Vous pouvez prendre la méthode rapide, la méthode extrêmement rapide, ou vous pouvez prendre la méthode hyper longue et douloureuse, c'est-à-dire d'y aller en moonwalk par les cirques en talons aiguilles de 15 cm. Je, je schématise et je, je grossis toujours les traits, je caricature, mais en fait c'est pour vous montrer que des fois l'univers vous montre que ce n'est pas pour vous, mais vous vous entêtez et vous vous voterez. Voilà, c'est un peu l'idée. Bref. Ouais. Donc tout ça pour dire que. Mettons que, je sais pas moi, on vous mette une relation euh, euh, karmique sur le, sur, sur, sur le chemin et que euh, l'idée c'est de défaire le nœud. Si vous vous, vous entêtez à rester euh, désespérément avec cette personne alors que ça va pas, que vous souffrez et tout ça, bah vous êtes en mode euh, talon aiguille, en moonwalk euh, par, les, par les cirques. Voilà. Euh, bon, je vous laisserai découvrir les cirques, ça fait partie des, des joyaux de, de la Réunion, euh, mais aussi euh, des dénivelés les plus importants. Euh, il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid, ou voilà. Donc, après, c'est vous qui choisissez. Voilà, voilà pour euh, cette petite discussion. Euh, donc voilà, encore une fois, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Vraiment, merci à vous. C'est un soutien énorme. Je ne m'attendais pas, il y a quelques mois de ça, à lancer ma chaîne et avoir quasiment déjà 1200 abonnés. Euh, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Donc vraiment, je vous remercie. Sachez que je tire les cartes pour... Vous, vous qui prenez le temps de regarder, vous qui prenez le temps de liker, vous qui prenez le temps de commenter de manière positive. Romain, encore une fois, tu m'intéresses pas. Euh, donc, donc voilà, euh, encore une fois, c'est vrai qu'on parle souvent des gens désagréables, mais parce que vraiment, à mon sens, il ne faut pas marginaliser le truc. Quoi. Il faut vraiment pointer, euh, parce que euh, là, j'ai regardé il y a pas très longtemps, j'ai découvert sa chaîne, je ne connaissais pas du tout Aline Dessine. Euh, alors, je, le, il y a plein de contenus qu'elle fait qui ne m'intéresse pas parce que voilà, ça a l'air chouette, mais bon, ça ne parle pas. Donc, euh, voilà. En revanche, elle a fait des enquêtes euh, Internet qui sont extrêmement bien faites, euh, bien ficelées, bien racontées, bien, bien montées. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça génial. Elle en a fait une sur une, une femme qui s'appelle Amberlyn Raid, euh, qui est une femme qui, euh, quand vous tapez son nom, vous avez 16 millions de résultats et c'est que des résultats. De merde, c'est une jeune femme qui est euh, harcelée, euh, dénigrée en permanence et il n'y a personne qui fait rien. Moi, j'ai regardé ça, j'étais euh, outrée. Il euh, y a Eugénia aussi, Alors, c est, c est, la première, elle souffre d'obésité morbide. La seconde, Eugénia, euh, souffre de euh, troubles alimentaires, mais à l'inverse, euh, elle ne euh, s'alimente pas. Euh, pareil, euh, c'est quelqu'un qui se fait euh, pff, démonter dans tous les sens, accusé de tout et n'importe quoi et c'est beaucoup de rumeurs et de. Voilà, et il y en avait une autre je crois. Ah oui, il y avait Vénus aussi, donc Vénus elle avec sa maman. Bon, et puis on sait, si vous prenez le temps, c'est en deux parties, si vous prenez le temps de regarder, vous verrez que Vénus, euh, sa mère, est une perverse narcissique. Clairement, si vous aviez un doute de euh, ce que c'est et du mécanisme, vous regardez ça, vous allez vite comprendre. Voilà, donc quelqu'un qui est en boucle, qui reproche toujours les mêmes choses, qui euh, essaie de pourrir votre vie, et voilà. Bon, bref, vous verrez bien, euh, en tout cas, ça vous permettra de décrypter un petit peu, et vous vous rendrez compte que c'est une personne qui ne s'arrête jamais. Voilà, c'est pas juste votre ex qui vous a cassé les pieds et qui sur le coup euh, euh, vous a saoulé. Non, non, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. Voilà, euh, et je vous garantis que même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de rencontrer quelqu'un comme ça parce que c'est infernal. Vraiment, c'est pénible au possible. C'est voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, en attendant, bah écoutez, j'espère que cette vidéo euh, aura plus, non, en tout cas, vous serez marré C'est un peu plus l'idée. Hein. Romain, je sais que toi tu vas pas rire, mais en même temps, c'était pas, les... pas le but. Tous euh, les gens qui trouveront euh, que euh, je suis pas sympa, que je suis une méchante et qu'on euh, a le droit de s'exprimer. Oui, tu as le droit de t'exprimer, mais pas sur ma chaîne. Crée une chaîne, hein, et puis tu t'exprimes sur ta chaîne, mais propose du contenu. Parce que si c'est juste pour dire de la merde, c'est pas la peine. Voilà, ça n'intéresse personne. En même temps, ça traduit aussi euh, le, la problématique. Hein. Là, je, je regardais sur un Berlin Raid, là, justement. Ils ont créé des, 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 des chaînes YouTube où ils la dénigrent. C'est un truc de fou. Hein. Elle sort une vidéo, ils reprennent la vidéo, ils la dénigrent. Mais c'est une folie. Et je me dis, ces gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont profondément mauvais et toxiques. C'est un truc de fou. Hein. Non, vraiment, je vous invite à aller regarder parce qu'on n'imagine on, on pas. À quel point certains sont tordus. Et le pire, c'est qu'ils s'entraident entre eux. Ils se valident. Ouais, ils se valident. Ouais, t'as raison. Ouais, est... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait Non, mais clairement. Enfin, euh, bon, bref. Je vous invite à aller découvrir cette chaîne, en tout cas, euh, là-dessus, sur ces enquêtes internet qui sont hyper bien faites, encore une fois, je le redis. Euh, voilà, hein, vous le savez, moi, je suis sponsorisée par personne. Hein, c'est voilà, moi et moi, donc voilà. Mais je parle des gens que j'apprécie. Les gens que j'aime pas, j'en parle pas. Euh, Sauf toi, Romain, pas de chance, hein. t'as tiré le gros lot du loto. Euh, donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite, comme toujours, le meilleur. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas faire par les gens mauvais et toxiques. Mettez-leur lim les limites. Dites-leur d'aller se faire cuire le fiacre. C'est important pour pas qu'ils reviennent vous emmerder. Et si c'est le cas. Prenez les, euh, les, 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 les devants, entre guillemets, et, et, et prenez les rênes de, la, de votre vie et agissez. Ne laissez pas faire. Romain, sache-le, la prochaine fois que tu ouvres ta bouche pour dire n'importe quoi, et en tout cas des choses qui ne m'intéressent pas sur ma chaîne, encore une fois, hein, parce que tu peux faire ce que tu veux sur ton compte, mais euh, si tu me dénigres, si tu dis des choses qui ne me plaisent pas.. Je ne laisserai pas ça comme ça. Je t'afficherai sur les réseaux sociaux, sache-le. Comme ça, les gens sauront que euh, tu es absolument pas une bonne âme charitable et que la bienveillance t'a oublié. Hein, elle ne s'est pas penchée sur, ta, sur ton berceau. Et, euh, et puis, bah, à terme, si tu continues, je, 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 je durcirai les trucs. Et s'il faut aller porter plainte contre toi, je le ferai. Voilà. Même si pour le moment, tu as juste dit que je racontais des trucs qui ne t'intéressaient pas. Mais euh, voilà. On en est déjà à deux mails. Euh, donc, si tu continues, je pourrais prouver que c'est du harcèlement. Voilà clairement je... ah non mais je vais pas me faire chier hein. je te le dis clairement j'ai autre chose à foutre euh, je vois trop de mes consoeurs qui se font emmerder en permanence euh, une que j'adore l'oracle qui se retrouve à s'auto censurer sur certains, sur certains tirages qu'il les met que pour ses abonnés euh, payants et tout parce que euh, elle a pas envie de se faire emmerder et je la comprends et je la soutiens hein. moi je mais mais je me dis mais moi j'ai pas du tout envie euh, d'en venir là pour un blaireau qui de temps en temps euh, va ouvrir sa bouche parce qu'il a rien d'autre à foutre de ses journées quoi clairement donc euh, bon voilà, bref, allez, j'arrête là parce que sinon je pourrais continuer de digresser pendant 20 ans, donc c'est pas la peine. Au passage, je suis en train de travailler sur une formation euh, de tarot, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire euh, pour que pour, pour, pour je vois un petit peu ce que ce que, parce que voilà, ce que ce qui vous tente, si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas. Et puis bah, je vous propose, si vous avez vu euh, vu pas forcément en entier, mais bon là si forcément si si vous m'entendez le dire, mais je vous propose de mettre Romain. En commentaire, comme ça tu seras la star du jour mon petit pote. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool là. Reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Ouais. J'te donnerai que tu love, que tu loves, 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 ouais, que tu loves, tu love. Ouais, Ne pas t'oublier, ouais. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire. Qu'avec toi seul, j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de, te de te faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de.